Coucou mes amis scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de l'année 2023. Alors qu'est-ce qui se passe pour vous pendant cette année? On va aller le regarder à travers tous les domaines qui sont consignés sur cette planche que je vous ai éditée spécialement pour cette année. Et puis on poursuivra janvier, décembre, on fera un autre tirage mois par mois, voilà, pour situer un petit peu tous les domaines que l'on aura vus du coup sur le premier tirage. Pardon. Si vous aimez cette vidéo, surtout n'hésitez pas à la liker, à vous abonner ici en bas à droite, ainsi que de commenter, de partager aux copains et copines scorpions. Cette vidéo est valable pour les scorpions en signe, bien entendu, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de belles fêtes, que vous êtes dans de belles énergies, pas trop fatigué. Si vous avez fait la fête, que vous êtes bien reposé du coup, c'est parti. On commence de suite le tirage par force, faiblesse, ombre, lumière, lumière, ombre d'un côté et de l'autre. Voilà, on va regarder qu'est-ce qu'il y a pour vous. D'abord, on va commencer par le positif. Qu'est-ce qu'il y a dans votre manche? Quel atout, quel joker, quelle force il y a dans votre manche, on va y arriver. L'agitation. Alors, c'est une carte qui, d'habitude, est plutôt, en faiblesse. Moi, j'ai l'impression, surtout avec l'énergie du 4, vous allez gérer. Vous allez gérer ce stress qui peut être ambiant, qui ne vous appartient pas forcément. Vous savez, des fois, on rentre dans des endroits où on ressent les vibrations qui sont un peu omniprésentes, très empirique, très très vampire aussi. Peut-être qu'il y a des fois dans vos entourages, vous ressentez peut-être des vampires énergétiques. Mais là, on a l'impression, c'est clair et net, que vous vivez avec une cloche, la cloche spirituelle, la cloche énergétique, comme on l'appelle. Et rien ne vous atteint. Toutes les énergies négatives, toutes les énergies d'absorption de vos énergies, eh bien, c'est imperméable. Ça peut être bien entendu une bulle de lumière, ça peut être tout ça. Au niveau du mental, en tout cas, vous avez cette cloche mentale. Personne va essayer de faire ce qu'on appelle des attaques psychiques. Voilà, donc on est dans cette énergie du 4, de la protection, de la sécurité. Et ça, c'est vraiment plutôt pas mal parce que être tout le temps protégé où que l'on aille, c'est un sacré atout dans la manche. Croyez-moi, je peux vous le dire. Donc, on est déjà pas mal, parce que si on veut faire des projets, si on veut faire certaines choses, eh bien, on va pas être atteint par les énergies un peu glauques de son entourage. Si on veut mener certains projets, on n'aura pas de blocage. Donc, pour moi, c'est une bonne... C'est un bon truc. En plus, en termes de stress, même si vous êtes confronté à des situations qui peuvent engendrer des petits coups de pression, eh bien, vous allez savoir, du coup, rapidement revenir à un état de clarté d'esprit. Oui, mais d'accord, ok, mais on peut faire ça comme ça. Et les solutions, du coup, vont arriver beaucoup plus vite. C'est pour ça que c'est un sacré atout. Du côté de la faiblesse, travailler. Alors, peut-être justement qu'il y a une volonté... Alors, c'est assez amusant parce qu'il me semble qu'on l'avait pour un autre signe, ce sens de travailler. Ils avaient d'un côté, d'ailleurs, le farniente et de l'autre côté, le travail. Mais vous, on est plus dans des énergies où il va falloir choisir, encore une fois, votre domaine de prédilection. Et puis, j'ai la sensation aussi qu'il va falloir faire un travail de qualité et assez fin, assez précis. Je m'explique. On a la sensation peut-être que, du coup, comme vous êtes protégé, comme vous vous sentez complètement protégé en sécurité, on se dit, du coup, ça va aller, je vais pouvoir gérer ça, et on va être dans des énergies ensuite de polyvalence, où on va être capable de commencer plein de choses, mais peut-être pas de les finir. Voyez ? Et dans ce sens du travail, pour moi, c'est dès que vous commencez une tâche, ne l'abandonnez pas jusqu'à ce qu'elle soit finie. Vous comprenez cette énergie ? C'est vraiment, je fais un travail de qualité sans y mettre la quantité. Alors, si vous avez la possibilité de faire la quantité et du qualité en même temps, ouais, super, tant mieux. Mais faites attention à ce que ces énergies ne soient pas du coup piou, 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 qui partent pas dans tous les sens. On commence quelque chose, on le finit. Voilà, je sais pas, vous mettez un four dans le lapin, pardon. Génial. Un lapin dans un four, on s'éloigne pas. On surveille la cuisine, on fait attention. C'est comme un petit plat.
quand vous montez quelque chose en béchamel, vous n'avez pas intérêt à lâcher la béchamel, sinon tout crame et tout est foutu, on peut mettre à la poubelle. Un gâteau, c'est pareil. Et bien là, c'est ça, c'est une tâche du début jusqu'à la fin. Et ça peut être vraiment des tâches primaires, basiques, hein, comme je viens de vous le dire, des tâches ménagères, comme des tâches un petit peu plus grandes dans un travail, par exemple. Voilà. Alors du côté de ce travail, justement, ce professionnel, qu'est-ce que l'on a pour vous ? J'avais l'aide et j'en ai une autre qui sort en même temps, donc je vous les tourne en même temps. Donc, on est sur un travail qui va être plus d'ordre collectif. À moins que ce soit un travail qui soit tourné vers vous. On est dans l'aide à la personne, bien entendu. L'infirmière, c'est ça, c'est cette relation. Peut-être que vous êtes guérisseur, guérisseuse. Ou aussi, vous savez, il n'y a pas que ce sens d'être médecin pour guérir les gens. Vous pouvez aussi... surtout qu'on le voit, une personne de confiance, là, une personne équilibrée, c'est ce qu'elle dit. Et rappelez-vous votre force. Vous êtes capable d'avoir tout sur vos épaules. On peut poser n'importe quoi sur vos épaules. La pression ne vous attient pas, ou peut-être beaucoup moins que d'autres. Donc, si vous êtes gestionnaire d'une entreprise ou si vous êtes dans une équipe, vous allez être la personne... qui va pouvoir gérer, qui va pouvoir un petit peu piloter l'équipe, qui va pouvoir piloter l'entreprise. Si vous êtes auto-entrepreneur, on est vraiment dans cette gestion-là où vous savez mener un petit peu les troupes, un petit peu à la manière militaire. Toi, je te positionne là, 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 il faut faire ci, il faut faire ça, voilà. On sent que vous gérez les protocoles, on sent que vous gérez l'administratif, les finances, le côté du coup prévisionnaire, anticipation. On vous voit avec plusieurs casquettes. On est aussi peut-être dans ce milieu de l'entreprise, prompte à écouter les autres. Donc, on a la sensation que vous guérissez naturellement, juste par votre présence. Mon petit scorpion, il est là dans l'équipe et je me sens rassurée, je me sens rassénérée, vous avez compris. Je me sens en confiance, je sens qu'il y a quelqu'un qui gère autour de moi et ça me va. Et du coup, vous êtes cette personne parce que c'est vraiment cette énergie que l'on ressent, une personne posée, stable et qui va vraiment pouvoir... être réactif face à des problématiques et trouver des solutions peut-être plus rapides. Alors, du côté de l'argent, c'est finance. J'avais le mot intelligence pour moi. Apprentissage, oui, ok. Apprentissage par rapport à la communication. Le 12, c'est l'esprit de communication. Ça va être peut-être pouvoir de... on est toujours dans cette gestion, vous voyez. Pour moi, c'est une question aussi de par rapport à cette thématique... de l'énergie de l'argent, de l'énergie des finances, le profit, vous savez, ce qui va et ce qui vient un petit peu en termes de matérialité, parce que tout n'est pas que argent, monnaie, c'est aussi ces échanges de matérialité. Pour moi, vous êtes déjà plutôt pas mal aguerri, mais on a peut-être d'autres apprentissages. Alors, ça peut être des formations de comptable, ça peut être des formations de gestionnaire, pourquoi pas. Mais on vous confie le porte-monnaie. Sans souci, sans problème, et même en termes du foyer, voyez, même si vous êtes novice, vous êtes vraiment une personne digne de confiance et on a le sentiment qu'en vous confiant un patrimoine, en vous confiant un héritage, en vous confiant des ressources ou peut-être des objets qui ont de la valeur, eh bien vous êtes la personne qui va le mettre en sécurité et qui va en faire peut-être un profit. Et on a ce sens-là où, tourné vers la communication, vous apprenez à gérer encore plus profondément. Et ça se rapproche, rappelez-vous, avec ce travail, aller en profondeur. Donc là, on commence peut-être déjà à pallier à cette, entre guillemets, faiblesse de cette année 2023 où il va vous falloir un petit peu plus affiner sur ce domaine du coup financier. Mais d'ores et déjà, vous êtes déjà une personne de confiance solide, honnête, stable. Voilà, et ça, c'est un bon plan, c'est un bon point. Voilà. Ce qui veut dire aussi que vous ne manquez pas d'argent ou vous apprenez à le faire fructifier pour vous, pour les autres, hein, d'accord ? Alors, au niveau de l'ego, de soi, la vie sociale, la communication, justement, on va voir si on a une carte qui va un petit peu nous détailler plus profondément ce que je viens de vous dire. Voilà. Donc là, encore une fois, à travers cette guidance, on vous incite à apprendre à parler. Alors, apprendre à parler, ça va être... qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement devenir orateur, oratrice. Ça va vraiment... alors, je l'entends, mais c'est pas tout à fait ce que je ressens quand même dans le discours que je dois vous tenir. C'est
C'est très subtil. J'ai la sensation qu'il faut dire des mots, mais par rapport à vos émotions et par rapport à vos pensées. Donc ça va être quelque chose d'assez difficile parce qu'il va falloir mettre ce double discours, le discours du cœur et le discours de la tête, les imbriquer les uns dans les autres. Et c'est pour ça que je vous dis, hein, même sans parler, déjà, vous êtes dans cette communication de guérison. Déjà, donc on a déjà cette parole qui vient du cœur. Ça se fait déjà dans ce domaine-là, hein, on l'a déjà vu. On est aussi... Dans cet apprentissage, rappelez-vous ce mode de communication, vous avez peut-être besoin de dire ce que vous avez sur le cœur, ça peut être quelque chose, mais dire ce que vous avez dans la tête et de faire un medley des deux. Donc ça, c'est assez difficile parce que justement, on a besoin de cet équilibre, de pas parler, et ça c'est chouette parce que vous l'avez dans vos énergies, ne pas dire les choses de manière impulsive. Ça, cette année, ça ne vous concerne pas parce que n'oubliez pas, je vous l'ai dit, hein, ça reste une force, cette maîtrise de l'agitation, c'est que purée, il peut avoir plein de problèmes, il peut avoir, comme je vous l'ai dit, plein de pression, ça peut être professionnel, on va voir, c'est peut-être aussi dans d'autres domaines, mais vous allez complètement gérer. Du coup, la situation arrive, ça vous tombe dessus, tout le monde crie, pleure, c'est la catastrophe. Mais non, vous attendez les gars, attendez les nanas. On tourne sa tête. Oui, on tourne peut-être sa tête cette fois, mais on tourne sa langue cette fois dans la bouche. Peut-être quelqu'un qui peut venir vous agresser. On peut avoir effectivement ce côté agressif de l'extérieur ou d'une situation. Mais vous êtes là et vous réfléchissez de suite, on aurait pu avoir la carte de la stratégie qui sort d'ailleurs. Et hop, un petit peu comme à la manière de tic-tic-tic un ordinateur, tic-tic-tic-tic, toutes les données arrivent là, tout, hop, vous classez. Machin, ça c'est bon, ça c'est pas bon, c'est bon. Et quelle solution? Pink, de suite on appuie sur entrée, vous voyez, hein, c'est comme un processeur. On a rentré toutes les macros, hop, on appuie. Et à la fin... Eh bien, j'ai ça comme solution. Ça et ça. Alors, oui, mais je prends la première solution. Et ça, du coup, est-ce que ça, est-ce que ça convient? Et là, en l'espace de, allez, de, je sais rien, de 30 secondes déjà, hop, c'est bon, j'ai certaines solutions. On peut foncer de ce côté. Et c'est ça qui va être assez important parce que vous allez avoir les instincts, hein, le cœur va parler et de suite ça va remonter au niveau de la tête et vous allez confronter les deux et vous allez prendre les bonnes décisions. Et du coup, vous allez pouvoir bien communiquer et ça, c'est drôlement chouette. Alors, du côté de l'amour, l'union partage. Ah, alors, il y a certains scorpions qui vont devoir renoncer tout simplement, c'est ce que cette carte, elle peut vous dire, en plus elle est accompagnée d'un chiffre un petit peu compliqué, le 19. Renoncer à, entre guillemets, à vous faire... vous allez devoir renoncer à une violence, entre guillemets. Donc, peut-être une personne qui est un vampire énergétique, on en a parlé. Vous allez quand même... C'est une année où vous êtes vous êtes pas trop atteignable en termes d'énergie. Et peut-être que, du coup, vous-même, puisque vous êtes dans cet esprit du coup d'analyse, de compréhension à travers le cœur, peut-être partir et renoncer à quelque chose qui est chimérique. Bon, cette personne, je l'accompagne depuis quelques temps. Et puis, voilà, c'est vain, c'est un coup d'épée dans l'eau. Il n'y a rien qui en ressort. Ça fait des années que j'essaye de l'aider. Ça fait des années qu'on essaye d'avancer ensemble. Et je n'y arrive pas. Le 19 est représentatif... en étude numérologique karmique tibétaine, d'un nombre qui reflète la généalogie des hommes et aussi la généalogie de la violence. Donc, c'est pas de violence verbale, j'espère pas violence physique, parce que sinon, vous savez qu'il y a des numéros qui sont faits pour ça. Hein. Mais si vous êtes dans ces situations, bien entendu, il y a des urgences et vous devez quand même essayer de... C'est pas toujours facile d'ailleurs de se retrouver face à ce que l'on appelle en ce moment le terme pervers narcissique ou perverse narcissique. Mais il va être important de prendre conscience que des fois, il y a des impasses. Et puis, la fuite ou s'éloigner, c'est la solution la plus judicieuse. On a aussi d'autres personnes, on va le voir à travers les amours de Marlowe. Là, je vais rajouter une carte. On a des personnes qui vont devoir renoncer aussi à leur indépendance. J'ai la sensation... D'ailleurs, c'est cette carte qui est là. Il y a quand même des scorpions là, même s'ils sont pas dans des... S'ils sont un peu dans des situations compliquées, des triangulaires. Bon, essayez du coup de vous désamorcer, hein, d'être en retrait. Et on a quand même des scorpions
qui sont en train de transformer justement leur couple. C'est-à-dire que on va être dans des compromis, dans des échanges. On a vraiment la sensation que du coup, ce couple que vous formez, ou si vous êtes justement en couple, c'est nouveau, si vous faites une rencontre là cette année, il va falloir renoncer à votre indépendance. Je viens de vous dire, autonomie, indépendance. Du coup, on est aussi encore une fois dans les énergies du 4. Le 4, c'est, eh bien, adieu célibat, adieu solitude et bonjour vie de famille. Voilà, mais ça va être peut-être, alors c'est un mal pour un bien, mais ça va vous déstabiliser. Vous voyez, cette transformation, elle se fait pas sans douleur, c'est pas une question de douleur, mais elle se fait pas sans prendre du temps. On a cette notion de temps, hein, qui revient quand même, le temps que le ver se transforme dans sa chrysalide et s'éveille en un beau papillon, en une belle relation. On prend vraiment du temps, mais du coup, il va falloir faire justement ces petits appointages, ces compromis, peut-être voilà, acheter une nouvelle maison ou abandonner son cocon pour construire quelque chose à deux, ou peut-être se déplacer dans la ville de votre chérie, IE ou I, mais faire des compromis. Voilà, c'est une belle énergie quand même. Alors, côté créativité, plaisir de vie, qu'est-ce que l'on a? Pause café. Donc là, c'est ce que je vous ai dit, on ne court pas plusieurs lièvres. On a la sensation du coup que la créa, tout ce qui va être au niveau de les plaisirs de vie, c'est quelque chose qui est tourné vers la simplicité. Vous n'êtes pas forcément dans une grande année de création, alors bon, sauf pour ceux qui sont dans ces métiers-là, mais vous avez peut-être besoin de faire un break. D'ailleurs, on est dans l'énergie du travail, le 49, c'est le 13, et peut-être justement que c'est ça, ce que l'on vous demande de faire, c'est oui, fais attention à ne pas courir plusieurs lièvres, fais attention à ne pas aller à droite, à gauche. Pareil dans vos plaisirs de vie, ne me commencez pas une activité, j'en sais rien, de danse, et puis au bout d'un ou deux mois, ça me plaît pas, c'est trop dur, c'est trop compliqué, je vais pas y arriver, ou vous commencez la peinture par exemple. Alors, on est d'accord, le chant, la peinture, des activités qui nécessitent quand même une, deux, trois années de préparation pour pouvoir arriver à quelque chose. Sauf pour ceux qui sont innés, hein, qui ont des dons innés là-dessus. Mais ça nécessite un appointage. Ça nécessite d'être plus rayon laser, d'être plus précis. Et du coup, rappelez-vous aussi que le temps sera votre allié, en fait. Et faut pas le laisser tomber de suite, en fait. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit, fais un break, prends une petite pause, have a break, have a Kit Kat. Et essaye de pas te prendre trop la tête. Sache ce que tu commences, ce qui est dans ton activité de plaisir. Eh bien, ça va nécessiter peut-être, un an, deux ans, trois mois, six mois, avant que tu puisses obtenir des résultats. Donc, ne baisse pas les bras si tu n'as pas de résultats de suite. Ce qu'elle veut dire cette carte. Maison, cocon, famille. Oui, on est sur la défensive. C'est pas étonnant, c'est un secteur qui me semblait être très très protectionniste. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le 4, c'est la protection, c'est le carré, rappelez-vous. Hein. Ça va être hyper important pour vous de protéger votre famille, protéger vos acquis, protéger tout ce qui vous tient profondément à cœur, hein, la famille, la maison, le couple, la structure. D'accord ? Ça c'est important. Si vous êtes célibataire, d'ailleurs, il y a des choses, c'est pour ça que on vous dit, hein, renoncer, ça va être compliqué justement de nouveau de ne plus être un, de ne plus être indépendant, peut-être d'incorporer d'autres personnes dans votre vie, ça va nécessiter peut-être si c'est piquant là, on a du mal à arriver dans le mode de vie. Pareil pour des nouveaux amis. Vous voyez, vous avez déjà votre structure, vous avez déjà votre vie sociale, familiale est déjà construite, et peut-être on a un petit peu de mal à faire entrer de la nouveauté. C'est d'ailleurs valable aussi sur la créa. On a du mal peut-être à faire entrer les choses nouvelles. Il faut du temps au temps. Voilà, ça c'est important. Santé, corps, bien-être, là pour mes amis scorpions. Qu'est-ce que l'on a? Alors, on est encore dans des vibrations de... Ah, hop, je suis dans mon intériorité. D'ailleurs, tout est tourné sur ce 4. Cette année, c'est l'énergie du 4 pour vous. C'est vraiment assez impressionnant. N'oubliez pas que 2023, c'est une année qui est spirituelle et dans l'amour conditionnel, puisqu'il forme le 7. Donc, on va être aussi un petit peu sur ce repli de soi. Donc là, on essaye quand même. En plus, vous êtes tourné sur le futur.
Qu'est-ce que je fais avec ma santé? Qu'est-ce que je fais avec mon corps? Comment je me sens? Et où est-ce que je vais? Vous voyez, vous vous préparez à quelque chose. Ça me fait penser au penseur de Rhodes, toute façon, hein, cette carte. Et on a cette sensation où vous avez besoin de ces encarts individuels. Alors même si vous êtes en couple, même si vous êtes en famille, on a vraiment cette sensation où je reprends le pouvoir de mon corps, mais j'ai besoin de me retrouver de temps en temps, d'avoir des fenêtres d'autonomie, d'indépendance, de solitude, parce que c'est important pour moi, pour me reconstruire, pour être un peu dans mon monde. Vous voyez, on est un peu dans les énergies du poisson. Il a besoin d'être dans son monde de temps en temps. Alors pas forcément l'énergie du Verseau avec ce côté imaginaire, mais plus ce besoin d'être nombrilistique. Mais alors pas du tout sur le côté négatif hein, du terme. D'être dans son essence même, voyez, et de regarder ce qui se passe à l'intérieur. C'est pour ça que moi je me touche le nombril, c'est pour ça qu'on disait nombrilistique, qui peut être un terme effectivement assez tourné sur l'ego, mais c'est quelque chose qui est nécessaire pour vous pour conserver cet équilibre. Parce que si vous rechargez pas vos batteries, vous pouvez pas aider les autres, ça c'est indéniable, d'accord? Alors, au niveau des esprits, des ancêtres, développement personnel, qu'est-ce que l'on a de ce côté-là, de ce secteur-là? Une ultra-sensibilité. Ça, c'est une carte qui est tournée sur les autres. Le 5, c'est l'expérience, les aventures, mais aussi la projection sur les autres. C'est un travail. L'ouverture aux autres. Ce côté dérision. Le clown, il peut avoir aussi de l'autodérision. Et on a vraiment j'ai le feeling que... vous arrivez à être en autodérision sur vous, peut-être parce que vous faites ce travail d'ancrage, ce travail d'introspection, vous arrivez à rire de vos forces et de vos faiblesses. Vous arrivez même à vous caricaturer, et ça c'est super. Et du coup, vous arrivez à vous connecter aux autres. On a aussi la sensation que les esprits, vous êtes de plus en plus sensibles. Il y a cette fenêtre qui se connecte complètement à vous. Vous pouvez ouvrir une porte, dans la métaphore, hein, bien entendu, et dire « Coucou, mon ancêtre, coucou, grand-mère, coucou, grand-père, coucou, papa, maman, coucou à mon frère, à ma sœur disparue, à un ami disparu. Coucou, je t'ai entendu, je t'ai vu dans un rêve, tu m'as fait un signe. » Voyez, les heures miroirs, tout ça, c'est hyper important pour vous. Vous êtes hyper, hyper connecté à ce monde de l'au-delà. Là, sur cette année, on est vraiment pas mal. Ou du moins, vous essayez encore plus de l'être. Alors déjà, le scorpion, hein, il connaît bien hein, ce processus de la profondeur de l'âme, de le monde des morts, tout ça. Vous êtes vraiment dans cette reliance. Et là, c'est super parce que vous vous connectez encore plus profondément. Vous pourriez être surpris et pourquoi pas rigoler d'un rien ou pleurer pour un rien. Vous voyez, on a cette face du clown qui peut... un coup rigoler, un coup pleurer, et vous êtes à fleur de peau, vraiment, par rapport à ses ancêtres, par rapport à vos guides, par rapport à Dieu, la source, voilà, quelles que soient vos convictions. C'est très beau, et je les sens, ils vous font un gros cœur, comme ça. J'ai vraiment cette sensation où, t'inquiète pas, on va se parler dans pas longtemps, là, t'inquiète pas, tu vas me ressentir, tu vas me sentir, là. D'ailleurs, moi, je les sens sur moi, là. Et vous êtes, à mon avis, beaucoup. Alors, du côté de la transformation, l'apprentissage, au centre, là, on a l'apprentissage. Alors, j'en parle pour les autres signes. Effectivement, j'ai une pyramide qui va vers le haut, donc l'élévation, et j'ai une pyramide qui va vers le bas, donc ça peut être un message qui est positif ou négatif à travers les cartes. Vous verrez d'ailleurs, à travers les cartes des métamorphes, on n'a pas que des gentilles cartes, mais tout ça, ça vous servira uniquement pour grandir, évoluer. Voilà, donc ça, c'était important pour moi de vous le dire. Donc cette année 2023 pour mes scorpions. La fée délicate et son furet. Le changement est naturel mais douloureux. Je n'ai pas voulu vous le dire tout à l'heure en vous parlant de... Je ne sais pas si vous l'avez entendu hein, quand je vous ai parlé de la transformation. Des fois, c'est des transformations qui peuvent passer par de la douleur. Pour retrouver son équilibre, il va falloir forcément renoncer à quelque chose. Ce n'est pas forcément sur le plan sentimental, hein, ça peut être sur le plan relationnel aussi. Et elle a un peu le vague à l'âme, cette fée. Elle sait que... elle sait que c'est délicat. Regardez, on a d'ailleurs comme le papillon c'est frêle, c'est délicat. Si on touche les ailes, ça peut se casser. Mais elle vous regarde droit dans les yeux. Elle a un petit peu de spleen dans les yeux. Elle est un petit peu triste. Mais le furet, lui, pas du tout.
Le furet, on ressent qu'il est, il y a ce côté blanc, ce côté pureté, et il sait qu'il doit se transformer. C'est une nécessité. Il sait qu'il doit abandonner certaines choses. C'est une nécessité. Voilà. Il sait qu'il ne peut pas aider tout le monde aussi. Il sait qu'il peut être un leader. Il sait qu'il peut aller partout aussi. Le furet, on est dans l'énergie rapide. Hein, c'est un animal qui va de tous les côtés, qui est très coquin, qui est très intelligent aussi. Mais ça va se faire quand même de manière fluide, naturelle. Un changement s'amorce pour vous, un changement sans doute très profond. Il y aura des décisions à prendre sur les secteurs, on les a vus hein, quand même. Mais ça ne se passera pas forcément sans faire de compromis. Voilà. Il y aura forcément quelque chose qu'il faudra laisser sur le côté. Vous voyez ? C'est un peu comme le processus d'un deuil, il faut laisser quelque chose de côté. Et ça, c'est vraiment dans ces énergies-là, sur cette année. Alors, on va continuer, du coup, la guidance. Alors, moi, j'avais Béline qui résonnait pour vous, là, mes amis scorpions. Tac, 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 tac. Hop, on va le mettre au-dessus de la petite fée et de son furet. Je range. C'est parti. On avait Monsieur Béline qui avait résonné pour vous. Monsieur Béline qui est toujours dans des énergies de pim-pam-poum. Et toujours. Et je prends Monsieur Béline. Je vous ferai peut-être un jour une vidéo sur Monsieur Béline, sur le rapport que j'ai avec Monsieur Béline. C'est toujours, enfin, Monsieur Béline et Monsieur Edmond. C'est toujours deux sacrés messieurs. Allez, Monsieur Béline, Monsieur Edmond, on est prêt. Nouveau départ, c'est parti. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Voilà pour la première partie. Juillet, août, septembre. Septembre, ça va être un peu compliqué, on va aller voir. Octobre, novembre et décembre. Je suis beaucoup plus paisible hein, sur la fin de l'année par contre. Hein. C'est en règle générale ce que j'ai pour tous les signes d'ailleurs, c'est assez amusant. Alors, janvier, février et mars. Eh bien ma foi, on est dans de belles énergies sur ces trois premiers mois. Passion, beauté, réussite. On est tourné sur des choses un peu légères. On rentre pas encore dans le vif du sujet, hein, vous l'avez vu. On est plutôt voilà, sur des vibes où on vit de ses passions. Ça peut être professionnel, aussi sentimental. On peut rencontrer déjà quelqu'un sur ce côté sentimental. C'est pas maintenant, hein, la transformation. On est ensuite sur février. Alors, on avait les énergies de Vénus, donc la beauté. Ça peut être aussi une connexion avec la nature, une connexion avec l'art. On peut se découvrir une passion, du coup, je vous en ai parlé, peut-être à travers votre créativité. Vous expérimentez, ça vous plaît. Hein, on a cette sensation que ça vous plaît, même si on est aussi avec une rencontre, ça se passe bien. Une très belle réussite au programme, ça peut être aussi professionnel. Rappelez-vous, on vous confie des choses et ça matche bien. Donc, les trois premiers mois sont quand même plutôt solaires. Ouh, bah, dis donc, c'est plutôt pas mal, ça. Ok, on va voir. C'est pour ça, les six premiers mois, ça passait crème. Hein. Destinée, paix, élévation. Destinée, on peut aussi voir ce que je vous ai annoncé tout à l'heure. Pour certains scorpions, on a la clé par rapport au fait de dire non, stop, j'arrête cette relation, je m'en vais. Alors, c'est pas fuir, c'est je me désengage de la problématique ou si vous êtes, encore une fois, comme je l'ai dit, dans des situations compliquées, triangulaires ou quoi que ce soit, si on vous a trompé, des choses comme ça, vous prenez la poudre de l'escampette et vous prenez par contre tout ce qui va avec. D'accord ? La clé, ça sera vraiment ça de... Mais j'ai la sensation quand même que vous êtes victorieux et victorieuse dans cette situation. Et du coup, derrière, sur ce mois d'avril-mai, on se sent posé, on pose le cœur, on se sent beaucoup mieux. On est entouré de bons amis en plus. Et ça vous sert, c'est comme si vous aviez eu une compréhension dans cette épreuve, vous voyez. Vous passez un stade, plus jamais. Plus jamais ça, plus jamais avec un pervers narcissique ou plus jamais je rencontrerai ce type de personne. Là, j'ai compris la leçon. Voilà, le destin m'a bien fait appuyer hein, sur ce coup-ci, sur la tête. J'ai bien compris. Et du coup, ben, j'ai plus besoin de l'échelle. Là. C'est bon, j'ai construit la pyramide. Ça peut être aussi de ce côté maison, rappelez-vous, où vous étiez bien dans votre cocon. C'était important. Qu'est-ce qu'on avait du côté de la maison ? On a aussi le sens de se recentrer. La défensive, on est un petit peu comme dans un château fort, une pyramide. Là, c'est hyper important. Il y a des aspects de famille et de couple qui sont vraiment sur ce mois d'avril, mai, juin.
Alors, juillet, août et septembre. Ouais, j'avais dit que septembre, hein, ça ruptait un petit peu, hein. Les cartes et les ressentis, hein, ça... si vous tirez les cartes et qu'elles sont face cachée, essayez d'être déjà au ressenti avant de les retourner. C'est un bon exercice. On continue sur des good vibes, juillet, août et septembre, eh bien, ça commence un petit peu à grincer des dents. Donc, vous perdez peut-être confiance en vous, ou c'est peut-être, rappelez-vous, ce petit clown qui peut rire, mais qui peut pleurer aussi. Alors, au mois de juillet, on est dans cette encore continuité. Si vous êtes en couple, s'il y a eu une rencontre, là, on est vraiment bien, on se sent vraiment bien ensemble. Tout est à votre honneur. Vous savez vraiment être dans ces compromis. Il y a de la sagesse qui vous accompagne. Donc, j'ai compris qu'il va falloir que j'abandonne certains traits d'indépendance, d'autonomie peut-être. J'ai compris qu'il fallait peut-être que je fasse un break. Il fallait que je sois un petit peu plus fin dans certaines choses. Mais au final, septembre, ça sera un mois un petit peu moins glorieux que les autres. On est moins dans ces énergies où tout va bien. Alors, pourquoi? Ça peut dire quoi? Ça peut dire qu'il peut avoir un petit coup de stress qui arrive en plus au niveau du professionnel. On vous demande de travailler encore plus profondément. Bon, alors c'est bien mignon là, on a fait tout ce qui est pas mal là au niveau du projet, mais c'est revenu sur le côté négatif. Ouais, c'est comme préparer un gros projet. Et puis, ben, il y a l'administration qui bloque. Le patron, il n'a pas voulu. Ou du coup, ben, ça s'est pas passé totalement comme il faut. Ne baissez pas les bras. Rappelez-vous avec ce break, ne baissez pas les bras. C'est important. Recentrez-vous. Au niveau du corps, on l'a vu. Vous savez faire. Vous savez, du coup, analyser comme cet ordinateur. Recentrez-vous. C'est pas grave, ce mois de septembre, c'est une parenthèse. Vous voyez, ce qu'on me dit, c'est on va l'enfermer, on va le mettre dans un cocon, vous allez le mettre dans une bulle de lumière et puis vous allez le laisser envoler. C'est ce qu'on me dit de faire d'ailleurs. Vous avez compris? Si au mois de septembre, vous avez cette donnée qui arrive, j'ai reçu cette info pour vous, vous pouvez mettre la situation de manière métaphorique dans une bulle de lumière et la laisser s'envoler. Dire oust. Tu n'as pas besoin de venir nous mettre des bâtons dans les roues. Bon, super. Alors, au point de vue octobre, novembre, décembre. Alors, moi j'ai la sensation que ça va quand même mieux. Je sais pas pourquoi, alors qu'on a des cartes caisse pompon, un peu pourries même. Mais, vous voyez, cette stérilité, elle est amenée par des gens qui sont jaloux. Et ça peut être valable aussi par rapport à votre couple, à votre famille. C'est pour ça qu'il y a il y a la défense là. C'est pour ça qu'il y a ce petit hérisson. Et vous avez raison de vous méfier. Donc octobre, on a l'apparition peut-être. J'ai la sensation qu'il s'était tramé quelque chose au mois de septembre. Quelqu'un ou une agressivité extérieure était venue fichre le bâton dans les roues. Et au mois d'octobre, du coup, on va découvrir qui a mis le bâton dans les roues et pourquoi. Ouais. Le mois de novembre, c'est une très très grosse connexion avec vos ancêtres. Et j'ai pas le mot maladie qui vient parce que ça me fait pas vraiment penser à ça, mais j'ai la sensation de l'aigle royal. J'ai vraiment la sensation. Alors, ça peut être pour certaines personnes, des personnes qui vont devoir être alitées parce qu'ils ont eu une grippe ou parce qu'ils ont un gros rhume. Et j'ai cette sensation que je vous vois en demi-conscience un petit peu, vous savez, comme les Sioux à l'époque qui fumaient qui allumaient de la paix et puis qui se connectaient à leur animal totem. Moi, j'ai l'impression que là, l'espèce d'oiseau de mauvais augure, ben moi il me fait penser à, vous savez, comme dans le totem là, le grand poteau, on est au-dessus les uns des autres là, les animaux sont les uns au-dessus des autres et vous accédez à cette partie. Moi ça me fait penser à l'animal totem, voilà. Donc j'ai cette sensation que il faut que vous soyez dans vos rêves ou il faut que vous soyez un peu en train de transpirer, d'avoir très très chaud et d'être un petit peu entre deux mondes. Vous voyez, j'ai vraiment cette symbolique. Donc c'est soit vous dormez, soit vous êtes un peu bah, du coup malade, grippé ou vous êtes en train de récupérer au lit et j'ai cette sensation de grande connexion.
Je vous ai dit, la sensibilité, elle ressort énormément. Donc là, c'est comme si vous étiez dans un rite de passage, tout simplement. Ça, je ressens vraiment ça. Et c'est vraiment... Ouh, ça me prend vraiment aux tripes, hein, ça me prend vraiment aux poumons. C'est la sensation de plus pouvoir respirer, mais en même temps, d'avoir toute une équipe médicale stellaire, une équipe médicale angélique autour de vous. Et qui du coup branche plein de câbles avec l'au-delà et qui dit tiens, tu vas recevoir ça comme information, hop, tu vas recevoir c'est comme si on vous programmait en fait, vous voyez. Alors n'ayez pas peur, hein, c'est pas les aliens qui viennent vous brancher et qui viennent faire des expériences sur vous, quoique pourquoi pas. Bah moi j'aimerais bien, ça serait sympa quand même, rencontrer des rencontres du troisième type. Mais on peut être dans cet ordre là alors vous allez me dire, mais elle est complètement tabayot, c'est là, mais c'est ce que je ressens, donc je vous le dis. L'étoile de l'homme, on a une belle énergie masculine sur le mois de décembre. C'est pour ça que j'avais des énergies qui étaient quand même beaucoup plus sympas vers la fin de l'année. Alors faites attention aussi au surmenage, hein, parce que jusqu'ici vous aviez pris beaucoup sur les épaules, donc vous pourriez justement tomber un petit peu de fatigue. Ça peut être ça aussi, sur le côté un petit peu plus terrestre. D'accord, faut l'être aussi. Hein. Et cette étoile de l'homme, qui est signée d'Edmond d'ailleurs, moi j'ai la sensation, alors soit vous êtes dans une rencontre d'un homme qui est interstellaire, ça c'est vraiment ce que je ressens, c'est comme une lumière dans l'ombre, soit vous êtes dans cette représentation de l'énergie masculine. J'ai très très chaud à travers les mains. Est-ce que cette connexion, cette reprogrammation, ce rite de passage vous donne des capacités? Vous voyez ce que je voulais vous dire? C'est comme si vous étiez ouvert à certaines capacités que l'on ne nomme pas. Voilà, l'énergie à travers les mains, une capacité à ressentir les choses, un sixième sens exacerbé. C'est ça que je ressens. C'est très très chouette, mes amis scorpions. C'est quelque chose qui vraiment est nouveau. S'ouvre complètement, mais pas du tout sur le sens physique en fait, pas sur le sens physiologique, vraiment sur quelque chose qui appartient de l'autre, du côté métaphysique. Voilà. Voilà les amis scorpions, j'espère que je ne vous ai pas trop perdu avec ce côté mystérieux. En même temps, c'est votre signe, hein, qui est mystérieux, qui est toujours très, très secret. Je vous fais de gros bisous, je vous retrouve très prochainement pour de prochaines guidances. Portez-vous bien pendant cette année, je vous souhaite tout le meilleur bien entendu, et puis on se retrouve bientôt. Ciao ciao mes amis scorpions.